Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle leçon d'apprentissage du logiciel EBP PGI 4.0. Alors nous allons voir comment saisir une écriture comptable. Pour cela, il suffit déjà d'être dans le menu EBP Comptabilité et de cliquer sur Saisie du mois courant. On va se situer en septembre 2013 et à partir de là, vous allez sélectionner le journal dans lequel vous avez une écriture à passer. Prenons par exemple le journal d'achat. Donc je sais. Sélectionne en cliquant deux fois sur le journal d'achat. Apparaît l'écran concernant la saisie d'une écriture en achat, vous le voyez ici, pour le mois de septembre. Imaginons que la date soit le 1er septembre. Alors l'ordinateur vous propose déjà un numéro de pièce, c'est la 25e pièce de ce journal. Il vous reste à mettre le numéro du document, par exemple la facture 2111. Nous avons par exemple acheté, donc là c'est la saisie du numéro de compte, on va estimer que ce sont des fournitures administratives. Et puis je vais ici supprimer fournitures administratives et je vais simplement indiquer le nom de mon fournisseur, donc mettons bureau Valley. Et je supprime fournitures administratives. Le compte de débit. On va prendre une somme de 240 euros par exemple. Et puis en tabulant, attention, utilisez bien la touche tabulation, je vais passer à ma ligne de TVA. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je cliquais ici, je pourrais créer un compte de TVA. Imaginons que je sois juste ici. Vous voyez, je peux apparaître les comptes de TVA et je peux en ajouter un compte. On peut créer les comptes à ce niveau-là. Donc là, je vais prendre une TVA 19,6. Voilà. Et le logiciel calcule automatiquement le montant de la TVA. Bien entendu, il faut le vérifier, ce montant, avec celui calculé sur la facture. Je tabule et vous voyez qu'il me met ici en blanc le crédit, puisqu'il se doute que nous allons avoir un équilibre avec un compte fournisseur. Donc là, je vais le mettre en 401 diverses. Donc, vous voyez, simplement en tapant les premières lettres, on voit diverses apparaître. Et puis, je vais mettre le total, donc 287,04 €. Faites attention, tant que l'écriture n'est pas équilibrée, automatiquement, il vous proposera une nouvelle ligne de saisie. Voilà, la date d'échéance, je suis allé un peu vite ici. Bon, généralement, dans les achats de papeterie, c'est au comptant, donc j'ai remis la même date. Mais vous pourriez avoir une échéance à 30 jours. Et là, vous pourriez saisir, mettons, la date d'échéance au 30 septembre, par exemple. Ce qui ferait que vous mettriez à jour votre échéancier des règlements. Vous voyez, échéancier de la facture. Bon, là, je vais remettre le 1er septembre. Même si le 1er septembre, on voit que c'était un dimanche. Ce n'est pas grave. Voilà, l'écriture est passée. Alors maintenant, si je veux imprimer le journal, dans mon journal, je vais aller sur Aperçu. Alors, bien entendu, il me demande d'enregistrer, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc l'aperçu va s'ouvrir. Alors généralement l'impression du journal, le logiciel vous propose quelque chose déjà de très lisible, donc on n'aura pas à modifier le modèle. Alors, ça prend toujours un petit peu de temps, parce que voilà, il ouvre les bases, etc. Je vais l'agrandir pour que nous puissions avoir une vue plus globale. Voilà. C'est un travail de centralisation. Vous voyez, il met à jour, etc. Il compresse les données. Alors, il me l'a placé ici. Voilà, je l'agrandis. Donc, vous voyez, on a bien le nom de l'entreprise. Journal d'achat. Bon, là, c'est sur la période globale du mois de septembre, puisqu'il imprime des mois complets. Et on retrouve bien notre écriture. Et pour le moment, dans la colonne lettrage, rien n'est lettré, tout simplement parce que le règlement n'a pas encore été enregistré. Donc, je quitte ce module d'impression. Celui-là aussi, je vais le quitter. Voilà, le module de, je ferme le module de saisie d'écriture. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué de saisir une écriture. Alors, quand on aura à imprimer un journal, nous venons de le voir. Et pour imprimer des comptes, il suffira d'aller dans « Quotidien ». Consultation lettrage, voire impression,
Impression des saisies, vous voyez, hein, on peut imprimer une saisie d'écriture, imprimer les ventes de l'entreprise, on peut imprimer le rapprochement bancaire. Donc nous avons plein de possibilités d'imprimer des documents. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la saisie d'écriture dans EBP comptabilité, tout compte fait, hein, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.